Bonjour mes amis, donc Taureau. Désolée pour le retard, effectivement, des horoscopes. Je suis très très occupée en ce moment. Voilà, mais voilà, je tenais quand même à faire votre horoscope. En tout cas, la guidance pour ce mois de février. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Taureaux. Maintenant, je vais m'employer à vous donner quand même les guidances. Voilà. Et les messages. Alors, on va commencer. Je vais commencer pour moi au niveau sentimental pour vous, Taureau. Taureau, qu'est-ce qui arrive pour moi pour ce mois de... Alors, déjà, la victoire. Donc, la victoire pour vous, Taureau, ça représente effectivement un long labeur. Ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place préalablement, eh bien, il y a la réussite. La réussite des examens. La réussite des contrats de travail qu'on va signer, la réussite dans le travail d'une évolution. Pour moi, il y a le côté aussi financier. Donc, vous allez obtenir, pour moi, quelque chose quand même de positif, taureau. Alors, bien sûr, peut-être ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein. Je ne fais pas des consultations privées par visio. Je fais des consultations privées personnalisées lors de séances qui durent 45 minutes. Voilà, mais vous avez tout le détail sur des liens par rapport à mon site internet et tout est renseigné aussi sur ma page Facebook. Voilà. On revient à votre tirage. Donc, taureau, la victoire. Ça, c'est pour donc ce mois de février. Donc, il y a des choses dans lesquelles on va parvenir quand même à réussir. Victoire aussi sentimentale, professionnelle, bien-être et financier. Quel est l'autre message pour vous, taureau? Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Hop là. Allez, alors l'autre message. Allez, ça concerne les taureaux, donc masculins. Donc, vous voyez, il y a la victoire de l'homme vers la victoire. Donc, ça veut dire que l'homme est guidé vers cette réussite. Donc, pour vous, taureau, homme, février, ça vous parlera davantage. Quel est l'autre message? Qu'on me donne pour vous. Oula. Bon, l'autre message, vous voyez, c'est l'affectif. Donc, on dit bien que les choses affectivement se passent bien pour vous et peut-être qu'il y a même une nouvelle rencontre qui va se réaliser. On regarde les autres messages pour vous, taureau. Il y a des signatures aussi pour une achat d'une maison. On me le dit. Ça, c'est le message qu'on vient de me dire là pour vous. Achat d'une maison. Oh là. Bon, ensuite. Donc, il y a certains taureaux où il y a des choses qui se sont mal passées. Donc, attention. Vous avez peur. En fait, vous avez peur qu'au niveau sentimental, ça ne se passe pas bien comme vous voulez. On dirait qu'au niveau sentimental, les taureaux, vous êtes dit, ben, je ne vais jamais rencontrer quelqu'un, je ne vais jamais être heureux, je ne vais jamais être papa, jamais être grand-père, jamais être tonton. Non, ça, il faut arrêter votre psychologie à 2 francs 6 sous. Pour moi, vous allez rencontrer une personne et ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que vous avez la victoire au-dessus. Voyez? Vous avez la victoire sur l'amour. Donc, vous ne pouvez pas dire que ça ne se réalisera pas ou ça ne se passera pas. Voilà. Ensuite, bon, il me reste encore 3 messages. Hein. Taureau, c'est 7 lettres. Donc, on va voir les messages qu'il y a pour vous. Allez. Bon, sachez-le que bientôt... Alors, qu'est-ce qu'on me parle? Voilà. Ah, il y a des correspondances qui se sont arrêtées au niveau du sentimental, mais qui vont reprendre. Donc, il y a bien des messages qui vont vous parvenir. Vous voyez? Des messages parce qu'il y a eu des cassures. Donc, on dit que vous avez la victoire sur la reprise pour vous, taureau, hein? Voilà. Donc, ça, c'est les messages pour vous. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui dans ma région? Je vous envoie plein de petits soleils. Allez, le septième message pour vous. Bon, allez, c'est pas grave, il sort pas. Voilà. Ben oui, on se protège. Hein. Voilà. On se protège au niveau de l'affectif
Par contre, on dit qu'on a besoin de soutien par rapport à une personne avec laquelle peut-être ça s'est terminé. Mais encore une fois, vous avez la victoire. Donc, ça veut dire que la relation va repartir. Ça veut dire, ça signifie aussi que la relation amoureuse va continuer et que vous allez forcément faire une nouvelle rencontre. Donc, ce mois de février, taureau, premier, deuxième, troisième décan, il y a des choses quand même qui vont bien se réaliser et se décanter pour vous. Je ne vous demande pas, voilà, c'est quand même quelque chose, arrêtez d'être dans le fatalisme et ou de la fatalité en disant, hop, je ne serai jamais heureux, c'est faux. Voilà, les taureaux, vous avez un ancrage. D'ailleurs, il va falloir vous ancrer. Donc, je fais des formations bientôt en lithothérapie, voilà, pour que vous sentez mieux. Savoir aussi se soulager soi-même grâce à aux minéraux. Allez, quel est le message pour vous? Taureau. Allez, alors, voilà. Vous voyez, c'est un peu... ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de se guérir, on a besoin d'aller mieux. Pour moi, on me parle quand même du chakra de la famille. Hein. Donc, c'est sur celui-ci qu'il va falloir mettre du quartz rose si vous en avez, puisque c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, il va falloir quand même s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à cette nouvelle relation qui vient effectivement vous soulager parce que ça va être un réel bien-être. Donc, au niveau de la relation... sentimental, il y a quelque chose qui est quand même très positif pour vous. Autre message, voilà, on dit qu'il y a bien une rencontre qui se fait, on parle bien d'enfants, on parle bien de renouveau au niveau même sexualité, dont la sexualité taureau, je ne vais pas vous faire un cours, mais voilà, vous êtes quand même très bon partenaire, homme ou femme. Donc, voilà. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui se fait, quelque chose de très positif pour vous. Vous guérissez et pour certains, on se guérit par rapport à la sexualité. Donc, je pense qu'il y a certains taureaux qui n'ont pas de partenaire et qui sont passés par d'autres moyens pour se soulager. Mais en attendant, on dit que la sexualité apporte de l'apaisement à votre relation et à votre bien-être. Donc, vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin de sexualité pour aller mieux dans votre vie. On dit aussi que vous allez avoir une nouvelle relation qui vous parvient et qui est sur ce chemin pour février. Voilà. Et donc, avant même que ça arrive, je vous parlais d'un enfant là. D'accord ? Eh bien, regardez-le, cet enfant, il est là. Donc, en ce moment, ça parle bien de plutôt les taureaux hommes et qui sont jeunes hommes. Donc, pour moi, qui sont adolescents, qui essayent, effectivement, en ce moment avec le Covid, ça ne doit pas être très facile pour maintenir leur relation affective. Pour certains taureaux, on parle bien de femmes enceintes, hein, d'un enfant qui arrive et qui va peut-être apaiser les tensions de votre couple. Alors, attention, parce que là, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut faire attention à cela. Alors, on vous met en garde. Il y a un enfant qui arrive, mais c'est un enfant qui n'apaisera pas les tensions du couple dès lors qu'il y a déjà des soucis dans votre relation. Alors, avant de vous engager, de dire « je vais faire un enfant, on va concevoir un enfant, on va être une famille », puisque le retour d'affection se fait ainsi pour le mois de février, il y a une relation qui va redémarrer, mais parce que vous avez envie de créer une famille... et que cette personne, avant la cassure, ne voulait pas. Donc, attention avant de former un cocon familial. Ensuite, voilà, on dit que les choses du passé doivent rester au passé. Donc, ce n'est pas la peine de remuer les choses. Ça ne vous aidera pas à vous évoluer. En gros, parce que ça peut vous rendre malade. Voilà. Donc, il y a des personnes, effectivement, peut-être qui ont eu le virus et que maintenant, eh ben, on passe à autre chose. Mais on dit aussi qu'il faut arrêter d'être malade ou de se rendre malade psychologiquement parce que cette relation, peut-être, ne revient pas. On vous dit qu'il y a quelque chose de renouveau pour vous. Bon, n'hésitez pas à partager vos avis, vos commentaires par rapport à cette guidance, hein.
Parce que de toute façon, vous allez réussir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la victoire avec les réussites à l'examen. Donc, peut-être qu'il y a des étudiants en ce moment qui passent effectivement des partiels que vous allez réussir. D'accord? Vous allez réussir vos examens. De toute façon, vous avez la victoire. Donc, si vous êtes petit taureau, petite taurette, les choses avancent. Voilà. La réussite aux examens et aux partiels. Et voilà, et on va même le fêter. Alors, on dit aussi qu'il y a des invitations au restaurant, il y a des dates, donc on va peut-être se revoir aussi. Voilà. Donc, pour moi, les choses quand même se décantent d'une manière très positive pour vous. On va voir ce que dit quand même la triade par rapport à ces messages pour vous, taureaux. Je suis très, très, très satisfaite de pouvoir avancer enfin dans mes oracles. J'en ai plein à vous faire découvrir qu'on m'a offert. Voilà, très, très satisfaite. N'hésitez pas à partager, à aimer ou à détester. Hein. Il y a beaucoup qui détestent. Voilà, on dit que vous sortez. Hein. Voilà, on dit qu'on sort. La porte, c'est la concrétisation d'une relation. C'est on sort d'une situation qui a été quand même maladive pour vous ou difficile. On parle d'un équilibre aussi financier. Pour moi, il y a les choses qui vont se décanter aux alentours du 7 février. Vous allez être dans une énergie plutôt positive. Que me dit-on d'autre? Alors, on parle de problème d'intestin, c'est ça? Boire au plus? Donc, concrétisation par rapport à la relation sentimentale avec une profondeur des sentiments. Équilibre financier. On me parle aussi d'un changement de poste au niveau professionnel. Ce changement de poste va se réaliser pour moi dans les 7 mois où c'est quelque chose que vous avez demandé déjà au mois de juillet mais qui va se réaliser sur le mois de février. En attendant, vous avez des opportunités. Ces opportunités, il faut les prendre, il faut les saisir. De toute façon, et je le redis, il y a la victoire. Quel est l'autre message pour vous? Ben voilà, c'est tombé tout seul. Voilà, la mutation. Donc, on dit qu'on part parce qu'on a une mutation professionnelle. On a aussi un déménagement là. Il y a une relation qui avance ou qui recule. Donc, pour moi, selon, on me parle de concrétisation de relation, donc ce qui signifie que la relation, elle avance bien et elle avance d'une manière quand même positive pour vous, taureau. Donc, sur ce mois de février, il y a quelques... Alors, on dit qu'à un moment donné, peut-être qu'on a fait 2 pas en avant, 3 en arrière, on était dans l'indécision. Mais là, vraiment, on est dans un circuit, vous voyez, d'évolution. Du petit point, on agrandit et on évolue vers quelque chose, vous voyez, de positif qui vous amène vers la porte de sortie de votre secteur un peu dépressif ou un peu quelque chose qui n'était pas positif pour vous. Donc, on dit qu'il y a bien ce départ, il y a bien ce déménagement, il y a bien cette évolution au niveau professionnel. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses sont plutôt positives pour vous avec une progression. Voilà, on me parle de changement. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de boire plus. Hein. Et tout, oula, allez. Il y a 3 autres messages pour vous. Alors, on dit que vous voyez, allez, on reprend les mêmes qu'on avait tout à l'heure, que j'avais la fatale. Voilà, voilà, alors on reprend les mêmes. Voilà, voyez, on reprend les mêmes. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit que c'est fini. On nous dit qu'il y a un changement de situation. On dit qu'on a essayé plusieurs fois de peut-être remettre le couple sur les rails pour que ça fonctionne. On a tout essayé, la gale d'alterner, la carte partagée, de se parler, de renouer, de parler enfant, mais ça ne fait rien. La relation est foutue. Voilà. Donc, vous passez à autre chose. Vous voyez, on passe à autre chose, mais attention, il y a une nouvelle relation. C'est-à-dire que quand même, c'est pas parce qu'il y a écrit mort que c'est la mort. Non, c'est la mort d'une situation qui arrive à une ouverture d'une autre relation. Comme je vous l'ai dit là, il y a une ouverture sentimentale qui se fait pour vous avec un relationnel quand même qui est très, très, très intéressant pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, le côté sentimental et professionnel évolue.
L'autre message, de toute façon, vous allez avoir. Alors, pour moi, on dit qu'il y a des protections. Donc, il y a une protection divine, il y a une protection par rapport à l'état. Vous voyez, Niké, ça veut dire victoire. Donc, il y a une victoire avec une personne qui, pour moi, vous amène non seulement la protection, mais c'est une personne qui vous appuie, c'est une personne qui vous écoute et c'est une personne qui est fidèle. Donc, c'est une aide. On me dit qu'il y a des aides de l'État qui arrivaient. Donc, il y a une aide d'État au niveau financier. On dit que Taureau, vous êtes quand même assez bien entouré et peut-être que vous avez peut-être des soucis financiers. Je pense que pour certains, surtout les restaurateurs, etc., et même d'autres professions ont des soucis au niveau financier. Mais malgré tout, on dit qu'il y a des aides qui vous parviennent de l'État. Donc, qui amènent un confort ou du moins cette manne financière sur le mois de février. Donc, sur le mois de février, vous avez bien quand même des choses positives pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? Voilà. Donc, il y a bien la concrétisation. Alors, on dit que vous êtes... Alors là, il y a un signe, là, il y a un signe. On va parler du signe du scorpion, je ne sais pas pourquoi. On dit qu'il y a une réflexion par rapport à du financement qu'un scorpion pourrait vous donner. Voilà. Donc, on dit qu'il y a une alchimie avec cette personne. Il y a une réflexion. Vous êtes un signe quand même intelligent, mais vous êtes un signe quand même un peu poète. Et des fois, il y a un petit peu de fragilité parce que forcément, vous êtes très, très, très sensible à l'amour. Vous êtes très sensible aux tous les signes d'affection qu'on peut vous témoigner. Et vous êtes plutôt dans l'amour inconditionnel. Donc, effectivement, pour moi, voilà. Donc, il va y avoir quelque chose qui va cesser. Et il y a parce que vous vous sentez à un moment donné peut-être un peu détruit, un peu seul aussi. Mais il y a des choses qui recommencent positivement pour vous. Voilà. Et vous avez la réussite. Donc, comme j'ai dit au début de ce tirage, je vous avais dit, attention, il y a quand même donc la réussite pour vous. Alors, elle est où cette réussite que j'ai vue? Voilà. Voyez? La réussite avec la victoire. Donc, quoi que vous allez entreprendre sur ce mois de février, pour vous les taureaux, ce sera positif. Voilà les messages que j'avais à vous communiquer. Je vais vous souhaiter donc une très très bonne très bon mois de février. Je vous dis à très bientôt pour le mois de mars. Et n'hésitez pas à aimer, à liker, à me demander, à retrouver mon groupe ou à rejoindre mon groupe sur Facebook hein, qui s'appelle Sophie Medium. Voilà, donc je rappelle Sophie puisque je sais qu'il existe des gens qui s'appellent Sophia, etc. ou autre chose. Mais n'hésitez pas à me suivre. Je fais des fois des lives comme ça. Dès que j'ai un petit peu de temps, je fais des lives où je donne quelques conseils. Voilà, je réponds des fois à des questions. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre pour savoir effectivement quand ben, je ferai ces lives. Voilà. Et je fais aussi des salons que je mets régulièrement donc sur mon site. Voilà, je vous embrasse mes amis taureaux. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Soyez heureux dans l'amour. Voilà. À très bientôt. Au revoir.